la Nigelina, une belle victoire importante 5-1 contre Langenthal ce soir. Globalement, vous avez été dominé dans le match au nombre de shoots. Comment expliquer cette victoire hormis le grand Remo Giovannini ? C'est facile, ce que je viens de dire aux joueurs, je vais vous le dire aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de gagner des matchs, ils l'ont démontré ce soir. Mais quand vous avez un gardien comme Remo ce soir, c'est vrai qu'on s'est reposé beaucoup sur lui ce soir. C'est lui qui a fait la différence, c'est lui qui nous a permis d'exister, de rester vivant tout le match. On ne peut pas faire ça tous les soirs, on le fait ce soir, mais il ne faut pas le refaire tous les soirs. Il fait ça depuis 2 semaines, c'est incroyable le niveau de hockey qu'il a. Il nous permet aujourd'hui d'être vivants et de prévoir et de prétendre à une 6e place. Il ne faut pas chercher d'autres, les gars. Ce soir, c'est Remo. Avec les 3 points de ce soir et la défaite de Viège à Kloten, Sierre repasse devant Viège avant le derby. Est-ce que c'est une bonne chose pour leur mettre la pression? Ouais, c'est toujours une bonne chose, mais la saison est encore courte et longue en même temps. Il reste quand même suffisamment de points pour faire la différence en avant. Alors je pense qu'il faut rester humble et rester tranquille. On était déjà devant, je vous avertis, on était déjà devant avant. Parce que c'est les points qui vont compter, c'est pas les points par match. Et en points, on était devant. Alors voilà. Merci beaucoup Dani Gelina et bonne chance pour le derby mardi soir.